Bonjour bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons parler d'une personne. Ce jour, Dieu va délivrer une personne. Père, merci pour ce temps merveilleux que nous voulons être dans ta présence. Saint-Esprit, parle-nous, guide-nous. Ouins-nous, parce que nous voulons parler de ta part. Et que la gloire te revienne à toi seul, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce temps merveilleux que tu vas parler à ton fils. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu. Et le court thème de ce matin, voici ta lettre de recommandation. Je suis l'évangéliste Pichum Peko et je voudrais vous parler de la part du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Philémon. Le livre de Philémon n'a qu'un seul chapitre, c'est avant Hébreu. Je lis au nom de Jésus. Paul, prisonnier de Jésus, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de la charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence, au nom de la charité, que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans le chêne Onésime, qui autrefois t'a été inutile, je répète encore inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il m'ait servi à ta place pendant que je suis dans le chêne pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi, de plus fortes raisons, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que toi-même, tu te dois à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras de même au-delà de ce que je t'ai dit. Parole du Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous parle de trois personnages. La Bible parle de Paul,
de Philémon et de Onésime. Paul a engendré Philémon, celui qui a enseigné à Philémon la parole. Philémon vivait à Colosse, c'est dans l'Asie mineure, aujourd'hui c'est vers Turquie. Et en ce temps-là, le peuple de Dieu se réunissait dans des maisons. Et Paul a enseigné Philémon. Et les gens se réunissaient dans cette maison-là. Et pendant que les gens se réunissaient dans la prière, la Bible nous dit, il y avait un monsieur qui s'appelait Onésime. Mais la Bible l'appelle esclave. Il était l'esclave de Philémon. Dans la maison où passait la prière. Là où les gens venaient pour prier. Mais lui, il était esclave. Qu'est-ce qu'un esclave bien-aimé? Un esclave, c'est une personne qui est privée de liberté, exploitée, quelqu'un qui est négociable comme un bien matériel, acheté, comme nous connaissons l'histoire de Joseph qui a été acheté, qui était esclave. C'est une situation qui est dure, c'est une situation qui est pénible. Combien dans nos maisons aujourd'hui, des femmes sont esclaves de leur mari? Des hommes sont esclaves de leurs femmes. Les enfants sont esclaves de papa ou de maman. Les orphelins sont esclaves de ceux qui ont dit, voilà, comme son père n'est plus là, comme sa maman n'est plus là, je le prends en charge. Mais combien ces gens souffrent? Combien ces enfants souffrent? Moi-même, j'ai perdu mon père, j'étais encore très jeune, en troisième année primaire. J'ai grandi chez un grand frère. Combien j'ai souffert, tapé, blessé, humilié. C'est pourquoi ce jour, je vais parler à une personne qui est dans cette situation d'esclavagisme. Ta lettre arrive aujourd'hui. Parce que Dieu du haut des cieux a vu ta souffrance. Il a vu comment tu souffres. Oui. Tu pleures. Ce Dieu-là est silencieux. Où est-ce qu'il est? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi cette maladie? Pourquoi des amertumes? Il y a des larmes le matin comme le soir. La dureté. Mais je vais te dire, bien-aimé, ta lettre de recommandation arrive ce jour. Toi qui m'écoutes, par la foi, cette lettre était adressée ce matin. Et Onésime, le nom Onésime par définition veut dire utile, profitable. Mais quel est ce nom? Un nom utile. Mais il était inutile dans la maison de Philémon. Celui qui faisait tous les travaux. Pendant que les gens priaient, pendant que les gens mangeaient, pendant qu'on était ensemble dans l'unité, comme l'Acte des Apôtres nous dit, ils étaient tous ensemble, mangeant, bénissant le Seigneur. Mais lui, il était dans cette situation-là. Mais un jour, Onésime s'est dit, non, trop, c'est trop. Onésime a pris la poudre d'escampette. Il a entendu parler de Rome. Bien-aimé, dans toute chose qui passe dans ta vie, il y a deux choses, il y a la part de Dieu, il y a ta part aussi. Relève-toi. Prends courage. Comme Dieu a dit dans le livre de Josué, mon serviteur Moïse est mort. Josué, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'a pas dit, je te fortifie. Non, fortifie-toi et prends courage, mais je serai avec toi. Je vais te dire, femme, toi qui souffres, homme, toi qui es maintenant, tes bagages sont à la porte pour partir. Enfant, esclave, là où tu es, prends courage. Ton Dieu s'élèvera le dernier. Onésime s'élève. Il est parti. Et je vais vous dire une chose. Un esclave qui fuit son maître est appelé fugitif. Et quand on l'attrape, c'est la mort. Je ne sais comment il a payé les billets jusqu'à Rome. Je ne voudrais pas
des amalgames pour aller vérifier s'il a volé ou quoi. Mais la Bible nous dit, Onésime a oui dire, à Rome il y a la lumière, à Rome il y a la vie. Onésime a fui son maître, il est parti à Rome. Et là, en cours de route, je ne sais pas si c'était un manque de papier, si c'était quoi, Onésime a été arrêté. Mis en prison. Bien-aimé, la prison, c'est cette situation que tu es en train de passer. Entre quatre murs, dans le noir, dans des difficultés. Mais c'est là où Dieu va te rencontrer aujourd'hui. Onésime rencontre l'apôtre Paul dans la prison. Un prisonnier exemplaire. Un prisonnier qui a la parole. Un prisonnier qui a rencontré le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Et Paul l'appelle « mon fils que j'ai engendré ». Alléluia. Onésime se soumet. Onésime écoute la parole. La vie d'Onésime a changé. C'est toi, ta vie va changer aujourd'hui si tu écoutes cette parole. Accroche-toi à Dieu. Il y a un temps pour tout. Dieu est là pour toi. Bien-aimé, Onésime a écouté la parole. Onésime transformé. Et voilà, le temps est arrivé. C'est ton temps aussi aujourd'hui. Paul renvoie Onésime chez son maître. Un esclave qui est devenu fugitif, qu'on renvoie chez son maître. C'est le renvoyer à la mort. Mais, avec Dieu, tout est possible. Et qui amène cette lettre, qui la porte, c'est lui-même Onésime. Paul écrit la lettre adressée à Philémon. Voilà ce que Paul dit. C'est pourquoi, à partir du verset 8, bien-aimé, j'ai en Christ la liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que j'adresse cette lettre. Verset 10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans le chêne, Onésime. Qui autrefois t'a été inutile? Oh là là! Il était inutile. Mais maintenant, est utile à toi et à moi. N'est-ce pas que c'est merveilleux? C'est là où on t'a frappé. C'est là où on t'a blessé. Reste, écoute la parole, accroche-toi à la parole. Dieu se lèvera. Dieu va t'honorer dans cette maison, dans cette situation, dans cette maladie. Le Seigneur est là pour toi aujourd'hui. Paul dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi. Bien-aimé, il y a certaines personnes dans la vie, pour se séparer, il y a la douleur, il y a le pleur, il y a la tristesse, la douleur de séparation pour des gens qui sont bien, pour des gens qui sont aimants, pour des gens qui sont serviables. Mais il y a aussi des gens, s'il arrive qu'il faut se séparer, tu dis, ouf, merci Seigneur qu'ils partent. J'ai trop souffert. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Est-ce que tu es la personne qu'on voudrait retenir? Ou tu es la personne que les gens vont dire, laissez-les partir? Qu'est-ce que tu sèmes là où tu es? Est-ce que tu sèmes l'amour, la division, la paix? Que sais-je? Écoute-moi aujourd'hui. Toi qui es en train de maltraiter un esclave, de maltraiter une veuve, un orphelin, une femme ou un mari, écoute-moi. Dieu honorera celle que tu es en train de faire souffrir. Et Paul dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Pourquoi Paul demande l'avis de Philémon? Philémon était un frère merveilleux. Malgré qu'il avait l'esclave Onésime, c'était un frère merveilleux. C'est pourquoi Paul le dit, tu es aussi mon fils, toi aussi tu me dois. N'est-ce pas que nous tous nous devons, Seigneur, cette vie? Ni t'étais Jésus, nous autres ne pouvons pas prêcher la parole aujourd'hui. Celui qui nous a ramassés dans la poussière,
qui nous a lavé, purifié. Il est Dieu. Il va te rencontrer ce matin. Et j'aime le Seigneur. Si le Seigneur veut te relever, le Seigneur va t'honorer. Et si je reviens au verset premier, voilà la lettre, ce que cela veut dire. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, notre compagnon d'œuvre. Et la lettre est adressée à la sœur Aphia, à Archip, aux compagnons de combat et à l'église. Quelle publicité! Une lettre avec recommandation, avec des copies conformes, avec des copies. Si Dieu veut t'honorer, il va t'honorer devant des gens. Ce que Dieu fait, il t'honore devant des gens. Ce n'est pas en cachette. Voilà que cette lettre a des copies pour information. Bien-aimé, c'est ton jour aujourd'hui. On dira, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Dieu est bon. Et au verset 17, il dit, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Bien-aimé, je ne voudrais pas être là. Quelqu'un qui est esclave, qui revient avec sa lettre. Je crois que quand il entrait, quand il toquait la porte, les gens ont dit, oh, voilà, c'est fini pour lui aujourd'hui. Ne sachant pas qu'il portait une lettre de bénédiction, une lettre qui vient du Père. Non, Dieu merveilleux. Je voudrais encore voir les regards de tous ces gens qui regardaient. Qu'est-ce que Philémon va faire? Et Philémon reçoit la lettre. Il l'ouvre. Une lettre qui vient de son père spirituel, l'apôtre Paul, lui recommandant de recevoir Onésime, pas plus qu'un esclave, mais comme un frère. Plus qu'un esclave. Alléluia. Onésime est honoré. Onésime est dans la gloire. Onésime qui était dans la cuisine, qui était dehors, aujourd'hui, assis avec Philémon, assis avec tous les chrétiens qui venaient prier. Onésime est honoré. Dieu va t'honorer aujourd'hui. Dans cette souffrance, dans cette maladie, dans cet esclavagisme, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu. Marche la tête haute. Lève-toi et marche. Lève-toi. Acclame ton Dieu. Dis merci Seigneur. Parce que toi qui m'écoutes, c'est pour toi que je parle. Ton temps est arrivé. Lève-toi. Dieu est là pour toi. Oh Seigneur, merci. Femme, ne pleure plus. Ton temps est arrivé. Veuve, orphelin, Dieu va t'honorer. Il va t'honorer devant ceux-là qui t'ont maltraité. Parce qu'il est Dieu et il restera Dieu. Reste fidèle à la parole. Accroche-toi à Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Happy Box TV. Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur www.happyboxtv ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et Orao Télécom. 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Bein Sport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV. Pactol TV, qui se veut être la vitrine de la louange, vous propose Gospel View. Gospel View, c'est l'émission qui valorise vos vues du net.
titres du moment, les clips les plus suivis, Gospel View vous dira tout. Gospel View avec Précis Zonzolo, dans l'idée d'infuser une saine émulation chez les artistes chrétiens. Dans cette émission, nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux. Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net. Alors soyez connectés pour découvrir ces tubes. Gospel View, c'est sur Pactol TV. La chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les majestiques hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province du Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres, luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, le Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benkwen na bwala ku tala babuti. Toku sala makambo kisika ya kulala même monana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Le Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, c'est moi, votre humble pasteur, le pasteur Doris, homme de Morija. Après plusieurs années dans le travail, dans les secrets, dans les prières, Dieu a enfin permis que nous puissions commencer l'œuvre ici à Paris. Et par la grâce de Dieu, le 12 mai 2018, Morija Ministry va commencer ici à Paris et l'église Charisme sera ouverte. Et nous aurons comme invité l'apôtre Nestor, qui est mon père, avec l'évangéliste Jeanderson de Brésil. Sans oublier la participation du couple Pépé Kibala et beaucoup d'autres invités qui seront présents. Alors, il y a une seule adresse pour la sortie officielle de l'Assemblée Charisme du ministère du ministère Maurice Jaministry. Sur la rue André Karma, numéro 73, 93 300 Aubervilliers. Pour plus de références, voyez la mairie d'Aubervilliers. Cette œuvre ne se limitera pas seulement à Paris. Partout où Dieu nous donnera à cœur, nous donnera sa pensée, nous le ferons pour la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite tous, bien-aimés mes enfants, vous qui êtes à Paris, dans l'Île-de-France, vous qui êtes partout, venez nombreux pour l'ouverture officielle de notre assemblée Charisme de Maurice Ministry à Aubervilliers, Paris, du 12 au 13 mai à partir de 14h. Alors que Dieu vous bénisse, les numéros de contact sont là. Vous pouvez appeler ces numéros-là pour avoir plus de précisions. Et par la grâce de Dieu, le groupe Pactol TV sera présent à l'ouverture pour transmettre les images à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous mes enfants Charisme partout où ils sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. C'était votre papa, papa Yabane Bélé. C'était votre papa, papa Doris, homme de Morija. Que Dieu vous bénisse.
Waouh, c'est super. Florent Musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Florent Musical est toujours à la page, recherchant les infos à la source. L'émission musicale est toujours à la page, recherchant les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, pour nous car qu'on s'est pensé à mon ingamoto. Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Flairon Musical, une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. A tout à l'heure. Zamba lolo mutima sali ke ba jalou ba sala. Ouais, ouais, ouais.